Bonjour à toutes et tous, Papy parmi vous. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour faire une découverte de la démo de Final Fantasy XV. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour tout vous avouer, j'ai jamais joué à un Final Fantasy de ma vie. Et pourtant, quand le premier Final Fantasy est sorti, il y a longtemps que je jouais. Donc c'est vraiment pour moi une découverte. Alors, pour l'instant, il y a beaux écrans noirs. Oula. Ouais, on va mettre en français. Mettre en anglais, bien que j'y connaisse rien. Ouf. On va laisser en japonais. Hein. Son stéréo, ouais, ok, ouais, donc Final Fantasy, ouais, comme je vous ai dit, j'ai jamais joué de ma vie, donc je ne sais pas ce que ça donne et ce que ça va m'apporter. C'est que ça va en faire bondir plus d'un, il connaît pas, il a jamais joué à Final Fantasy, et ben non, mais je suis peut-être pas le seul. Voilà. Ensuite, on va jouer. Ah non, bah je vais dire. Oh bah non, on peut changer les options maintenant. Ok, réglage. Ah, c'est pas glamour. Alors, volume général. Attendez. Ah, ok. Parce que si je veux qu'on m'entende, je pense que 30 ça va être bon. Musique. C'est pas glamour leur menu là. Enfin, je trouve. Alors, musique. À 25, effet sonore, on va mettre à, allez, à 40, les voix, on va dire qu'on va mettre à, ça va pas être important, ça c'est en japonais, à mettre à 40. Aussi, tiens, sous-titres, oui, nom des locuteurs, ouais, luminosité, on va laisser comme c'est, ça, pareil, vitesse, vibration, ouais, ok, d'accord, donc, ok, retour. Voilà. Alors maintenant, on va faire jouer. Ouais, les commandes, ils vont nous le dire dans le jeu. Alors, temps de jeu, 3 secondes. Ok. Bon, on y va. C'est parti. Alors là, je vous laisse. Il doit y avoir une cinématique. Je vous laisse en profiter. Alors, on est bien sûr, je vous rappelle pas, mais on est sur Xbox One. C'est la Platinum Demo. J'ai vu ça hier ou avant-hier, donc je l'ai téléchargé. C'était pas gros. J'ai dit, je vais découvrir ça parce que je ne connais pas l'univers de Final Fantasy. C'est pas moi qui vous racontera l'histoire et les antécédents des personnages, tout, parce que je ne connais pas du tout. Comme on dit ici, je ne connais pas pantoute. Maudit démon, où est mon fils? Moi, je vous laisse lire. Moi, j'ai du mal à lire les sous-titres. C'est pour ça que j'aime bien les jeux où ça parle en français. Ouais. Il n'y a pas de son.
C'est bien l'ambiance asiatique avec les animaux. Coucou, tu peux lire ce message. Regarde devant toi. Ok. Et attends, il va falloir le suivre, non ? On est dans ton rêve. Alors, se déplacer, sprinter. Ok. Ça c'est quoi? Au balèze. Ah ouais, c'est joli quand même. Alors sprinter, déplacer la caméra, ok. A sauter, X esquiver. D'accord. A. La sensibilité, elle serait à régler là. C'est un peu trop sensible. Tu es plongé dans un profond sommeil. Tu dois trouver la force de te réveiller pour rejoindre ceux qui t'aiment. Ce que j'apprécie, c'est que les sous-titres restent affichés un moment. Je pense que ça a une utilité, ça, non? Ça, je sais pas à quoi ça sert de les ramasser. Ça doit avoir une utilité. Attendez, je vais aller voir si on peut régler la sensibilité. Alors, je vais peut-être régler aussi le volume parce que là c'est un peu bas. Alors, excusez pour l'intermède. Voilà. Hop, la sensibilité. Ah, on peut pas. De rotation de la caméra peut-être. Ok. Mettre sur 2 au lieu de 3 et on va voir ce que ça donne. Axe horizontal de la caméra. Normal inversé. Ok. Ah, c'est mieux. C'est mieux déjà. Je crois que je pourrais mettre un... ça, je n'ai pas encore bien compris ce que ça donnait. Prends ça pour te défendre. Alors, appuyer et équiper une arme. Ok, X mode défensive, mode offensif, B. Mais je l'ai pas l'arme. C'est quoi cette histoire ? Ah ok. Alors arme. Ok, épée factice.
Ok, d'accord. Bon. On peut collecter là? Non, ça se collecte tout seul. Ok. Je vais où maintenant? Ok, par là. Parce qu'on n'a pas de carte, que dalle. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok, encore un... Attendez, c'est quoi ça? Suis-moi, n'aie pas peur, il suffit de sauter. Ok. Ah bon, on est parti à l'aventure. Écoutez, c'est joli. C'est bien animé. C'est le style asiatique. J'ai rien contre. Alors, mode offensif, maintenez B appuyé pour enchaîner automatiquement les attaques. Ah, ok, maintenez X appuyé pour vous défendre automatiquement. D'accord, j'ai pas besoin de bourriner sur le B pour attaquer. Je maintiens le B et il attaque en permanence. Eh, on est devenu lilliputien là. Ah, oui, ça, regardez qu'on jouait là. Ah bah oui, ah oui. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je peux pas sortir. Ah, il faut que j'attende mon tour. J'ai un truc sympa à te donner. Équipé. Nocif de Noctis. Ok, utilisez-vous B. D'accord. Donc, ok, je peux pas changer d'emplacement pour l'arme, je la laisse là. Ok. Et là. Ah ouais, on est petit. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Et qu'est-ce que je fais? Hein? Accélérer. Conduire, ok. Il a trouvé quoi? J'ai là-haut. Ok, la voiture elle me sert à rien. Comment je fais pour en descendre? Conduire, freiner, reculer, redevenir nocif. Noctis plutôt. J'ai tendance à lire nocif. Ok. Alors. Il y a encore quelque chose à voir. On va prendre notre temps. C'est une découverte. Et pour moi, c'est vraiment the découverte. Voilà, je sais pas à quoi ça sert ce que je ramasse. Ah oui, là-haut, j'en ai 57. Ok, ça c'est. D'accord, un nouveau camion. Bon, ok. Hop, d'accord. Je les balade en camion. On va aller voir là-bas ce que c'est, sprinter. Ouais, il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, il est tellement petit, le personnage, que ça paraît près, mais en fin de compte, c'est vachement loin, ça. Il y a encore un autre véhicule, là, non? Ça n'a rien fait.
écrit ça. Je vais ramasser ça. Ah bah oui, 59, d'accord. Faut en ramasser un maximum. Par là-bas, il n'y en a plus de rond. Là-bas, c'est le soleil. Bon, il faut que j'aille sur la table. Ok, bon, on va aller sur la table. Je suppose qu'on peut grimper quelque part. Ah, regardez les distances, comment que ça paraît loin. Là, je les attaque avec les feux d'artifice. Mince. Mince. Ah, il faut arriver à viser, quoi. Ah, j'en ai plus. Ok. Bon, on va reprendre ça. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure j'appuie sur B sans arrêt, mais non, il suffit de laisser le doigt dessus et c'est bon. Ok, faut que je m'y habitue. Ah, attendez, il n'y a pas un accès là. Ok, ouais, l'animation, regardez. Vu la hauteur du bouquin, il pourrait essayer d'enjamber. Regardez les animations, c'est pas le mieux. La sensibilité est encore trop haute. Là, il pourrait enjamber, quoi. Bon, regardez les bons qu'il fait, c'est pas tellement réaliste. Mais viens, toi, te sauve pas. Allez, te sauve pas, mon gars. Assez sombre ici. Ils sont pas coriaces. Je sais même pas ce qu'ils ont comme attaque. Donc plutôt l'impression qu'ils se sauvent que de nous attaquer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se sauve. Oh, le malandrin. Bon. On peut jouer avec la balle. Hop. On va l'envoyer là-bas dedans, non?
Attends. Hop, un petit coup là. Ah, je voulais pas rentrer dedans, je voulais aller refaire un tour sur la table, j'avais vu un truc rond, ça devait être encore un véhicule. Oh, tant pis. Alors là, qu'est-ce qui m'attend? Je sais pas si les commandes pour changer d'arme et tout, ça va rester comme ça ou les menus vont être améliorés, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Chargement assez longué, on a l'habitude. Alors c'est toujours le même message. Oh là. Ah, on change de décor là, carrément. Ah, le bruit de la pluie là, c'est assez réaliste. Attends, on va aller voir ce qu'il y a là. Ça a fait changer le temps. Il pleuvait, je suis nu là-dessus, il fait beau. Ouais, t'es là, toi, compagnon. Pour l'instant c'est simple, mais on n'a pas non plus affaire à des ennemis. C'est pas non plus des ennemis très coriaces. Regardez, celui-là il se sauve. L'autre il est parti où? Oh, voyez, il se barre. Viens. Je parle pas trop, essaye de me concentrer, mais en fin de compte, me concentrer sur quoi? Il n'y a rien de difficile, quoi. Pas attaquer les caisses, non. Oui, je vais ramasser tout ça. Ok, là il faut que j'aille par là. Il n'y a rien d'autre à ramasser. Ça. Ok, ça amène la pluie.
Ok, je vois le. J'ai des trucs à ramasser partout. Et là, on n'a pas de carte, rien. Hein? C'est quoi cette histoire? Ah, ok, je les ai tués d'un coup de corne. Ah, je peux pas passer là. D'accord. Ok. Ah, je peux attaquer. Ok. Ok, bon, tout ça c'est bien gentil. Ah ouais, donc on peut se changer comme ça. Ok. Donc, voilà. Redevenir. Alors là. Bon, on va rentrer là. Ça doit être là. Il me suit pas, lui? Ah, il arrive. C'est joli, mais sans plus. Disons qu'on nous habitue maintenant à des graphismes somptueux. Donc, quand on voit ça, on aurait vu ça il y a 10 ans. On aurait dit c'est génial. Regardez les portes. Regardez les tailles des portes. C'est un peu plat, quoi. Alors là. On va retourner dans un nouveau décor, sans doute. On ne sait pas où on va. On va le découvrir. En tous les cas, ça me change les vidéos sur The Division. Il va falloir que j'en refasse une, d'ailleurs. Je vais essayer aujourd'hui. Je vais mettre ça en ligne, déjà. Final Fantasy XV. Je vais essayer d'en refaire une. Refaire une des quêtes principales. Les chargements sont toujours longs. C'est dingue, ça. La plupart des jeux. Il faudrait qu'ils arrivent à corriger ça, quand même. Là, j'arrive où? C'est l'entrée de la citadelle. Ok. Tiens, c'est bizarre. Ouais, ça, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus beau dans les jeux vidéo. C'est vraiment là que tu te sens. C'est quoi ça? Je vais pas attaquer ça avec ma petite épée factice. N'aie pas peur, je te protégerai. Ok. Ok, mais attendez, j'ai quoi moi là? Épée large. Alors, ok, feu. Une bouteille contenant de l'énergie réduit la défense de l'ennemi et permet d'absorber. Bah, oh. Ah, attendez.
Ok. Sélectionne les pédages. Ça fait rien. Bon, je vais me prendre une patine. Bon, il faudrait peut-être que j'esquive aussi. Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Prendre une pâtée, moi. Et l'esquive, c'est comment? Se déplacer, sprinter. Merde, j'ai plus de vie, moi. Et on peut retrouver de la vie, là, quelque part. Pourquoi je peux plus avancer? Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Ouais, bah non. Tire-toi. Je suis mal en point, moi. Attendez. Je voudrais... C'est bien l'épée large que j'ai. Ok. Ah, ok, d'accord. Esquiver, c'est quoi ça, ce truc? Il n'y a pas de touche pour esquiver. Voilà, ok. Allez, viens, mon blaireau. Pourquoi j'attaque pas, là? Bordel.
Bon. Bon, j'ai eu. Pas très beau cette animation là. Bon, j'avais 6, je gagne quoi? Tu vas pouvoir te réveiller. Ok. Alors attendez. Il n'y a rien à ramasser, non? Non. Ok. Ouais, le système de, des armes, là, des changements d'armes, c'est pas vraiment. Mais bon. C'est une démo, le jeu il sort pas tout de suite. Déclencher la dalle d'éveil pour sortir du rêve et terminer la démo. Oui. Ok. Alors, oh, c'est la voiture de ton père. Je comprends mieux. C'est là que tu te sens le plus en sûreté. On va le quitter lui maintenant, non? Arigato. Bye bye. À bientôt. Ah, ok, on le quitte. Dommage. Si c'est le nom de votre kid onirique. Tiens. Mettre le nom de mon chat. Enfin. Notre chatte crapule. Voilà. Confirmer le nom de crapule, oui. Voilà. Merci d'avoir joué à Platinum Demo. Ok, ce rêve de Noctis que vous avez traversé n'est qu'un tout petit aperçu de l'univers de Final Fantasy XV. Ok, à mon gigantesque attend un Noctis adulte et ses amis dans Final Fantasy XV. Ok, un monde nouveau qui vous attend également. À bientôt. Ok, ben voilà, voulez-vous commander Final Fantasy XV? Bah, je peux pas dire que sur ce que j'en ai vu là, je vais le commander, je vais attendre qu'il sorte et je verrai, voilà, faire non, si vous m'emmenez sur la page de commande, vous pouvez le faire à tout moment grâce à l'option commander de l'écran titre. Ok, et ben voilà. Bah, je sais pas si j'achèterai, ça dépend aussi si Final Fantasy XV est doublé en français, je le prendrai. Parce que moi, j'ai de la difficulté à lire les sous-titres et quand ça parle comme ça, je sais pas ce qu'on me dit, j'ai pas le temps de lire. Ah voilà. Sinon, ouais, s'il est entièrement doublé en français, je me laisserai peut-être tenter. Et ben voilà. Bah oui, ça a duré 38 minutes de jeu et on a bouclé la démo. Bah sur ce, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec plaisir. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine. Bye.